Bonjour à toutes et à tous, c'est iDevice Jailbreak et aujourd'hui je vais vous montrer un truc Cydia qui s'appelle Mask. Donc vous voyez, mes icônes sont tous changées, donc ça c'est grâce au truc Cydia Mask. Donc pour configurer ce truc Cydia, on se rend dans les réglages, donc il faut laisser en app d'icône Mask activé. Donc là dans Icon Settings, il y a plein d'options, donc là on va dans Mask et Default. Donc default c'est les préinstallés déjà, donc si vous n'avez pas envie des préinstallés que vous en avez mis en SHSH, tout simplement on va dans custom mask. Donc moi je vais dans default, je vais choisir la pomme d'Apple, donc ça va donner ça. Donc vous voyez, donc ça peut être un effet stylé pour personnaliser son iDevice. Donc voilà. Donc ensuite après il y a invert mask. Donc ça sert à faire comme ça. Donc vous voyez, c'est le masque inversé. Donc ensuite, random icon mask, c'est pour mettre n'importe quelle icône à chaque fois. Par exemple, on peut faire comme ça. Après, j'ai dans une application, je remets. Et après, ça peut changer ou comme ça peut pas le changer. Donc c'est tout pour la section icon settings. Dans masque collection. Tout simplement, si on veut utiliser la collection des masques, donc si on active, on va dans collection. Donc là, on n'a que ce choix là. Donc par exemple, moi je vais mettre le skateboard. Donc tout simplement, ça va donner ça. Mais moi j'aime pas trop, donc je vais désactiver. Donc voilà, ensuite dans Icon Shadows, si on l'active, ça va donner ça. Donc c'est pareil, ça change rien du tout. Donc ensuite, Mask Folder Icon, c'est pour mettre activer Mask pour les folders, pour les dossiers. Désolé, j'avais oublié le nom. Donc ensuite, moi je désactive. Ensuite, dans Colorize, c'est pour mettre une colorisation. Donc pour activer, on met Enable Colorisation, on va dans Choice Color. Donc là, on peut modifier, on peut mettre comme ça. Ensuite, on quitte, on va attendre un tout petit peu et voilà. La couleur a changé. Donc moi je trouve que ça fait moche, donc j'ai désactivé. Donc ensuite, randomisation per respring. Donc ça, il faut un respring. Donc vous verrez tout le reste chez vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec masque.